Il est 1h du matin et le dernier parmi vous qui s'endormira aujourd'hui remportera la vidéo. Et ça va être vraiment compliqué pour vous de pas dormir parce que tout le long de la nuit, il y aura des challenges extrêmes. Mais à chaque défi réussi, vous pourrez aller directement prendre une boisson énergisante dans la pile de boissons pour rester réveillé. Et aujourd'hui, pour cette vidéo, ça va être très particulier parce que ça va être deux équipes qui vont s'affronter. À gauche, la team Twanlag et Bilel. Et à droite, la team Momo Ali et Mini Crypto. Et qui va gagner, les gars? On sait pas. Team Crypto, Team Twanlag et Bilel. Les gars, on va vous froisser, team on va crypto, les froisser. Les gars, ouais. Juste derrière moi, j'ai un écran géant et aujourd'hui j'ai mis des caméras de partout dans cette maison. Mais ça, aucun des participants le sait. Et ces caméras dans toute la maison vont me servir à vérifier si quelqu'un s'endort. J'aurai le visuel sur toutes les pièces de cette maison. Et 3 heures avant le début du challenge, les participants sont allés au magasin faire des provisions. Là, on commence avec un classique, boisson énergisante. Faut prendre là où il y a le plus de caféine, mais il faut pas s'endormir. Guette l'emballage, avec ça tu dors pas pendant 48 heures, frère. On dirait que tu fais de la pub. Là, faut rester sur des valeurs sur Red Bull. Monster, elle est où? Elle est là. Déjà, le dosage, il est pas bon, frérot. Viens, on part sur de la bouteille, frère. Wow. Teneur élevé en caféine. Wow. Oh là là, t'es mal à Red Bull. La Monster, elle est où? Elle est là. Wow. Là, on va tenir toute la nuit. Pour tenir toute la nuit, on est parti où, les gars? Sur les vitamines. Les gars, on est parti à la pharmacie et regardez tout ce qu'il y a. On choisit et... quoi, les gars? Ah, moi, je te dis, ça, regarde. Vitamax, les gars, c'est comme un T-Max. Tu prends ça et toute la nuit, tu vas tenir. C'est bon. On prend bon. Tout ce qu'on peut, les gars. Et on y va. Les gars, je me suis éloigné, je parle tout doucement. Je me suis éloigné de tout le monde. Les gars, je suis tout seul. Et regardez la dinguerie que j'ai trouvée. C'est du thé sommeil, les gars. Je vais prendre ça. Ça, je vais le mettre là, les gars. Et ma parole, je vais l'utiliser en arme secrète. Si par exemple, il en reste que un ou deux, je mets ça dans un truc à manger ou quoi. Ils vont direct dormir, les gars. Et je vais le payer en cachette, les gars. Café, latte, cappuccino. Et le café, ça aide à pas dormir. C'est incroyable. Regarde, regarde ce que j'ai trouvé. Des oranges. Les oranges, frère, c'est connu. C'est sûr, on va pas dormir ce soir. Moi je mise tout sur les oranges, t'inquiète. Vas-y, moi sur le café, les gars. Et là, regarde, y'a mon dessert préféré, le tiramisu. Par contre, ça, les gars, j'aime vraiment bien ça. Oh, je prends tout le rayon, mon gars. Regardez-moi ça, le team crypto, l'exploser. On va éteindre la team Twanlag. On va les éteindre, les gars. Les gars, on connaît les fruits qui marchent le mieux, les gars, on connaît, c'est le citron. Les gars, on est intelligent. Tu prends du citron, tu dors pas pendant 4 jours. Même si c'est pas bon le goût, on va prendre du citron, les gars. Prends-en plein. Mais attends, mais y'a un citron géant, prends un citron géant, cousin. Vas-y, prends, moi je prends les mini, toi, prends les géants. Vas-y, moi je prends les géants. On en prend combien? De chacun? 3 paquets, les gars. 3 paquets de citron, ça passe crème. Le café, tout ça, ça marche pas, les gars. Prends du citron, ça marche à balle. Ah, tu prends ça, c'est impossible. Tu dors, tu seras dégoûté de la vie carrément. Prends citron et orange. Une limonade au champ. Oh, tu prends ça, tu meurs pas. C'est impossible, tu meurs. Vas-y, rajoute ça. 3 bouteilles de jus, les gars, on va les éteindre. Y'a pas de team Twanlag là, ici, y'a que de la team crypto. Oh, c'est banni le lit, j'ai dit non frère, on n'y touche pas, on se couche pas, rien. Tu sais ça là, ton lac c'est à bannir, on reste pas ici. Non, faut pas aller dedans. Vas-y, attends, y'a pas un endroit là. Regarde là-haut. Vas-y, monte. Attends, il fait tout noir, je vais là-dedans, je vais m'endormir. Attends, y'a pas de lumière. Ouais, c'est quoi ça? Regarde, on est dans un cinéma mec. C'est sûr, on va s'endormir ici, on peut pas rester ici. Voilà, mais là je me mets là-dedans, je dors frère. Mais tu sais que moi, quand tu mets un film, je m'endors direct. On peut pas rester ici. Attends, viens, on part d'ici. Vas-y, on part. Les gars, regardez toutes les boissons énergisantes qu'il y a. Red Bull, Monster, y'a tout. Mais là je me dis, les gars, on a un duo, mais il est où Momo? Momo, me dis pas, il est en train de dormir. Mais non, Momo, réveille-toi. C'est que j'ai plus facile à aller à l'aise. Mais ouais, je teste le lit. Arrête, mets-toi, j'ai ramené un loser, j'ai ramené un mec qui est nul, lève-toi. Oh les gars, c'est la pire erreur de s'allonger dans le lit. Ah, mais 2 secondes. Lève-toi, allez, 2 secondes, les gars, vas-y. Sors cette pièce, les gars, faire. Tout le monde a découvert la maison, c'est l'heure du premier challenge, il est 1h30. Et pour ce premier challenge, j'ai commandé toute la carte d'une pizzeria. Et je vais inviter chaque participant à manger toutes ces grandes pizzas, les gars, ces méga pizzas. Pour ceux qui savaient pas, les gars, dès qu'on mange, on a tout de suite envie de dormir, les gars. C'est un mécanisme du corps, c'est obligé. Et donc, tous les participants qui mangeront sur cette table et qui tomberont dans le piège de manger toutes ces pizzas auront beaucoup plus de chances de s'endormir par la suite et donc devront subir un gage extrême. Moi j'ai envie de voir qui va manger et qui va être intelligent et se dire si je mange je vais m'endormir. Tous les participants sont dispersés dans la maison et je vais les appeler. Bon les gars, premier challenge. Vas-y, dis de tout. Premier challenge. Là derrière vous, il y a une table remplie de pizzas. C'est rempli. Je vous laisse, faites ce que vous voulez. Attends, mec. C'est pour nous endormir ça. Attends, mais imaginez un truc dans la pizza. Les gars, Bilel, si Bilel les mange, je mange aussi les gars. Imaginez un truc dans la pizza, mange pas. Tu penses que c'est bizarre, il y a un goût bizarre? Non, ça fait du bien. Si Bilel les mange, je mange. Là les gars, je me suis caché dans une armoire et je regarde sur le téléphone qui mange et qui ne mange pas. Si il y en a un qui mange, il sera pas éliminé. Mais il aura pas gagné le challenge les gars. Là les gars, de ce que je vois, il y a Bilel de la team Twanlag et Mini Crypto de la team Crypto les gars qui sont
train de manger. Eux, ils sont morts, les gars. Eux, je pense à mon avis que vraiment, ils avaient tellement les gros, les gars, ils avaient tellement faim qu'ils ont direct sauté sur la pizza. Ils ont pas réfléchi, les gars. T'as besoin de te réveiller. Mets de la sauce préparée. Sauce pimentée. Je te mets la blinde de sauce, mec. Reste focus. Mange pas. Qu'est-ce que tu me dis, reste focus? C'est bon, ça fait beaucoup, c'est bon. Allez. En vrai, je vais pas prendre le risque de manger, j'ai pas envie de m'endormir. Mais une petite boisson énergisante, ça réveille bien ça. Attends, t'as pas le droit. Comment ça, pour gagner un challenge? Ouais, ça commence à tricher, les gars, wesh. Je vais pas, moi. On repasse. On va appeler l'arbitre, les gars, il va arriver, il va intervenir. Ah, tu sais quoi, on va pas refaire comme eux. Ah, c'est de la torture. Oh, direct, je me réveille. Wesh, je suis choqué. Je me réveille, les gars. Vas-y, fais la même. T'es malade, manger, c'est on va aller les voir pour la tout de suite que ceux qui vont manger, ils vont avoir un gage de fou. Et ceux qui n'ont pas mangé, ils vont être tranquilles. On va aller les voir tout de suite, c'est parti. Les gars, on va aller voir qui c'est qui a mangé directement. Je sais c'est qui a mangé, mais j'ai envie de voir s'il ment ou pas. C'est parti, les gars, suivez-moi. Ah, ça mange bien, hein. Hein? Ça mange bien, les gars. C'est bilet. Il est boule ou quoi? Les gars, dites-moi les terrains. Qui a mangé? Ah, pas vrai, il a mangé. Les deux, ils ont mangé. Il y a rien, hein. Il y a de la sauce tomate, Les gars, les deux qui ont mangé, c'est Bilal et Mini Crypto. Et ce qu'ils savaient pas, c'est que manger, les gars, ça fait s'endormir. Donc c'était juste un test, un piège. Et je vois que vous avez bien régalé, les gars. Et puis il n'en reste plus. Donc là, les gars, vous déjà, bravo à vous. Vous n'êtes pas tombé dans le piège de manger. Vous deux déjà. Ce qui est bien, c'est que là, vous allez pouvoir choisir dans cette pile de canettes énergisantes, les gars. Une canette parce que vous avez réussi le premier challenge de la vidéo. Et nous, vas-y, Crypto, on a su. C'est bon, Vous avez perdu, les gars. Ouais. Donc vous allez avoir un gage extrême. Non. J'ai une tactique, je vais taper celle-là. Je vais pas dormir de la nuit, les gars. Celle-là, elle est bien grande, à mon avis, elle doit être super bonne. Vas-y, tu peux te régaler. Moi, je vais prendre une Big Monster. Et c'est une Monster spéciale parce qu'il y a écrit Nitro dessus, je crois. Moi, j'ai une stratégie. Je vais la donner à Bilal parce que... Oui. Voilà. Let's go. Oh, la même chose. Voilà, c'est ça. Le frérot, là, il va s'endormir, la team crypto, ça va dodo. Les gars, on est bien pour toute la nuit. Vous allez finir affamés, les gars, vous êtes cuits. Dans 2 minutes, il fait dodo. Juste ici, c'est les deux qui ont mangé, les gars. Vous aurez jamais dû manger parce que là, vous avez vraiment galéré. Suivez-moi, on va aller dans la pièce noire. Oh là là. Non, faites quoi là? Non mais arrête. Ah tranquille. Y'a rien. Là les gars, j'ai ramené Mini Crypto et Bilal dans une pièce où il y a un lit. Ils pourront pas s'amuser, ils pourront pas aller sur le téléphone ni quoi que ce soit, les gars. On peut dormir, c'est bon, moi je vais calmer. Quoi, tu vas dormir? Et là, c'est qui? Mais t'es inséré. Réveille. Motivé. De 1, la lumière va être éteinte. De 2, il y a des caches pour les yeux. Oh là là. Et de 3, on va mettre une berceuse toute la nuit, les gars, et ça va durer 1 heure. Non, t'abuses. Et on reviendra d'ici 1 heure et on verra qui dort. Et oubliez pas, les gars, vous endormez pas. C'est parti, les gars, on les laisse. Non, on peut survivre d'ici. Ouais, nickel, les gars, on peut survivre d'ici. T'as toute la fenêtre, t'as bon, j'espère que tu vas pas dormir. Non, moi là, je suis chaud, j'ai pas besoin de dormir, t'inquiète. Mais vas-y, repose-toi si tu veux, toi. Vas-y, calme. Y a une caméra? Non, y a pas de caméra, vas-y. Ouais, oui, y a une caméra juste ici, arrête, Nito. Mais t'inquiète, je te jure, je dis rien, Crypto, vas-y. Mais attends, mais ça, mais... Non, je m'endors. Mais non, mais c'est bon, mais et confiance. Vas-y. Tu vois, les gars, ma stratégie, c'est de rester debout. Vas-y, tu sautilles. Là, les gars, je vois que ça se met bien, là. T'es en train de bien siroter ta... Ah, les gars, j'ai la tactique du siècle. Là, il me reste tout ça. Je bois quoi? Ça. Après, je m'arrête 10 minutes. Comme ça, toute la nuit, je pourrais tenir, les gars. Très bonne tactique, les gars. Moi, je vous surveille bien, parce que là, je suis arbitre, les gars. Et je suis obligé de voir si quelqu'un s'endort. Il y a rien qu'à dormir, quoi. On fait un pack, je te donne un peu. Ah ouais? Et après, s'il y a un truc de fou, après, tu mets... Non, moi, il y a pas d'équipe. Ouais. Y'a pas d'équipe, j'ai mieux pour toi. J'ai donné ma canette à Bilal, comme ça c'est sûr il s'endort pas. Ça les gars, on a le droit d'aller dans cette vidéo. Mais là, ils ont refusé. Donc là les gars, passez votre temps. J'ai installé une caméra, les gars. Night Vision, donc une caméra pour voir dans la nuit, dans la chambre où ils sont bloqués. Donc je vais voir si aucun d'eux dort. Et y'en a une ici là? Je te dis pas, frérot. Tu peux me dire un conseil, les gars? Cette maison, elle a des yeux partout, les gars. On peut pas tricher, hein. De toute façon, il y aura d'autres défis pour les canettes, non? Toute la nuit, il y aura des défis. Donc, on pourra en gagner. Voilà. Mais si tu perds tout, t'auras pas de canette, frérot. De toute façon, je vous le dis, les gars, ma stratégie là, c'est de garder mon estomac vide. Comme ça, j'ai pas envie de dormir. Et là, dans 2-3 heures, quand tout le monde va vouloir dormir, moi je vais être bien, je vais avoir mes canettes. Je vais pouvoir manger, je vais pouvoir me mettre bien. Il a une bonne tactique. Ouais, mais est-ce qu'il va tenir jusqu'à la prochaine heure ou jusqu'à le prochain challenge? On verra ça tout de suite, les gars. En tout cas, reposez-vous bien. Même pas, vous reposez pas, les gars. Restez bien dans la chambre tranquille. Et moi, les gars, je vais un petit peu faire le tour de la maison et vérifier si personne dort. On a trop mangé, on va vomir si on commence à vomir. Moi je vais vomir. Bah ouais, mais tranquille, assis-toi, frérot, qu'est-ce que t'as? Moi je te dis, dors, fais ta sieste de 10 minutes, après je fais ma sieste de 10 minutes. Ça, les gars, on a dit quoi? Mettez les trucs sur les yeux. Oh là là. Là vous trichez. Et oubliez pas, la caméra, je vois tout, les gars. Donc mettez les trucs sur les yeux et calmez-vous dans le lit, les gars, tranquillement. Ah, moi je reste ici. Bien les cartes dans le lit. Non, vas-y, attends, je vais m'assurer vite fait. Quoi, tu sais, je pense que tu pourrais t'endormir debout. Non, pas. Je me suis jamais endormi debout. Et en vrai, ton pote il va pas tenir, il a bien mangé. Mais ton collègue aussi, il a tapé la moitié de la table. Ouais, moi j'étais intelligent, je lui ai donné une canette. Purée, moi c'est vrai que je lui ai rien donné. Mais depuis tout à l'heure, je bois, j'ai l'impression que je suis encore plus fatigué. Normal. Pourquoi?
T'as pris zéro sucre. Bah, y a pas de sucre. Mec, y avait des canettes piégées, mec. C'est pas de l'énergie, ça. Purée, mais ça, il a pas dit, ça. Bah ouais, fallait bien choisir. Bah. Ah, la team Krypton, vous allez perdre. Purée, je commence à être fatigué, faut que je me réveille. C'est quoi, je te réveille? Ah, les yeux. Wesh. Il y a un téléphone. C'est ça qui fait le bruit. Ouais, je crois que c'est ça. Ça y est, moi j'ai pas envie de dormir les frères. Ah, la berceuse. C'est bon, j'ai enlevé. Vas-y. Oh, j'ai une idée de malade, c'est ce qu'on va faire. J'active des réveils et toutes les minutes, il va y avoir un réveil. Donc okay, c'est impossible, on dort. Ouais, nous deux, on est bien. Vas-y, hop là. J'en ai mis un réveil. On remet vite avant que Crypto il arrive. Hop là. Je te fais confiance. T'inquiète. Je pense que je peux me caler. Ouais, t'inquiète. Vas-y, en vrai, je vais. Avec les réveils, c'est sûr que tu dors. Ouais, je vais pas dormir. Moi, je vais continuer à faire du sport. En vrai, je vais faire des micro-siestes de 30 secondes. À chaque fois, je vais me réveiller. Mais t'en dors pas. Si je vois que tu réponds plus, je te dénonce directement. Comment ça, tu me dénonces? Je te dénonce, c'est bon. Oh, premier réveil. Mais oui, moi, je vais essayer pour passer. De la team Twin Lag vient de s'endormir. C'est sûr, il s'est calé sur le lit, il s'est endormi, c'est sûr. Okay. On va tout de suite aller voir ça, c'est parti. S'il s'est endormi, c'est le premier éliminé. Et le premier éliminé, il est cuit, les gars, il va avoir un truc de fou. Ouais, c'est vrai, il dort. Je vous confirme qu'il dort. Allo, hein? Tu croyais m'avoir, hein? Oh là là, hein? Mais il dort pas? Bah oui, je dormais pas. Fallait vérifier, frère. Oh là là. Oh les gars, toi tu nous as appelé pour moi? Non, c'était pour son bien, c'était pour son bien. Ok, c'est pour mon bien, sale poucave. Qui te dit pas qu'il a dormi? Non, je dormais pas. T'as vu mes yeux, comment ils s'étaient ouverts? C'est vrai. Les gars, qu'il attendait juste que Mini Crypto aille le balancer, les gars. Donc toi, et moi, tu te balances. Ouais, je me balance, moi j'assume. Ce que je peux vous dire, les gars, c'est que vous êtes encore loin d'avoir fini. Ça fait que 25 minutes. Oh là là. Mais non. Mais on va dormir. Restez là tranquillement. Il reste encore 35 minutes, les gars. C'est comme ça maintenant. Ah, moi je te dis, l'amitié cousin, ça bouge pas. Ouais, c'est ça. Les gars, je suis venu vous voir. Là à côté, ils sont totalement en train d'être dans une chambre noire. Ah, les gars, on commence à être KO, les gars. Franchement, je vous mens pas. C'est que le début du challenge. Ah, faut pas oublier, on a acheté des trucs au magasin. C'est le moment d'utiliser. J'ai donné mon jus à Bilal. Alors là, je vais faire un petit jus d'orange fait maison. Il y a pas mieux pour se réveiller, les gars. De la nature. Je vous mens pas, je suis à ça de dormir. Je vais prendre le roi des citrons. Wesh! Regarde-moi ça. Mais c'est pas un citron, ça, c'est une pastèque. C'est une dinguerie. T'as trouvé ça, non? Mais wesh! Ah, oh, j'étais bien. Mais c'est un citron rouge! Je crois que c'est un pamplemousse, frérot. Ah, ça réveille pas, ça endort. Hein. Ça réveille. Mais c'est la même chose, les gars. Non, rien à voir. Ça, c'est un pamplemousse, les gars. Alors, ça, c'est un citron. Purée. Donne-moi un citron. Eh, moi, je bois mon orange, c'est incroyable. T'as fait comment? Tu presses dans la bouche. Pour éviter les dangers, moi, j'enlève le bandeau, je peux le mettre au-dessus de la tête. Comme ça, là, je suis tranquille. T'endors pas, parce que je vais pas tranquille, Bidel. Ok, tout bien, il s'endort. Il s'est vraiment dormi. Il s'endormit, je l'ai vu, les yeux. Il a plus de pantage. Moi je te crois plus, c'est mort, je te crois plus. Mais comment tu crois? Ça fait deux fois qu'il m'appelle. Mais c'est sûr, la première fois il m'a trollé, mais là c'est sûr. Gala, il te dit pas qu'il te contrôle encore. Mais regarde la caméra. On va voir la caméra tout de suite. Si il dort pas, les gars, et qu'il est vraiment réveillé comme tout à l'heure, je rajoute une heure de plus dans la chambre noire à Mini Crypto. Les gars, Mini Crypto, je crois qu'il avait raison. Bilal, il est exactement ici, les gars. Ça se voit, les gars. Il a plus le bandeau et il est en train de dormir. C'est-à-dire que là, il dort pour de vrai, les gars. C'est pas du mytho. Il est éliminé. C'est vrai, t'as raison. Donc, on va voir tout de suite. Je crois qu'il est éliminé. On va vérifier. Une sentence, les gars, et comme sentence, on va tout simplement venir avec un verre d'eau pour le réveiller, les gars. Les gars, je vais lui remplir un verre d'eau pour le réveiller, il va être choqué. On a cramé ton coéquipier entièrement en train de dormir. Déjà, il est illuminé, t'es tout seul. N'importe quoi, on te montrera les caméras, on te montrera tout. T'es tout seul. Tu vas le voir de tes propres yeux. Tu sais quoi, je te propose, c'est que c'est toi qui vas le réveiller avec le verre d'eau parce que t'es son coéquipier. Là, il t'a laissé tout seul en plan dans la vidéo. Mets toute ta rage avec ce verre d'eau. Vas-y, je vais donner ma canette. Oh là là. Vas-y, il a donné sa canette. Il s'est endormi. Les gars, c'est le pire move qu'il a fait. Fidèle, il est catastrophique. Il est vraiment nul, ce mec. Ziné, il me régale, il s'est pas endormi. Bien joué. Moi aussi, je lui ai dit de pas manger les pizzas. Tu fais quoi là? Ah, ça va,
Bilal. T'es malheureusement éliminé. Et t'es le premier éliminé de cette vidéo, malheureusement. Ah, j'ai passé quoi là? Tu t'es endormi, Bilal, je t'ai dévancé. Elle fallait pas dormir. Mais tu devais me réveiller, je m'en suis super. Bien joué, Ziné. Ah, ça fait un éliminé, les gars. La team Krypton va gagner. Du coup, vous l'avez compris, Bilal de la team Twan Lag est totalement éliminé. Il reste que toi, t'es solo. Les gars, vous inquiétez pas. Je suis peut-être solo, mais c'est sûr, je vais gagner, je suis en pleine forme. J'ai tenu, les gars, Bilal, il est mort, il est cuit, il s'est endormi. Là, les gars, ce que je propose, c'est simplement que derrière vous, vous avez tous les produits que vous achetez au magasin. Donc là, il y a tous les produits que vous avez achetés, les gars. Il y a du piment, des amandes, des oranges, tout, les gars. Des dattes, de la citronnade, des bonbons, les gars, ultra pétillants et ultra piquants. Et là, les gars, on va vous bander les yeux avec ces bandages et vous allez choisir un objet au hasard. C'est-à-dire, autant tu vas taper directement un objet qui ne réveille pas du tout, comme autant tu vas taper un vrai objet. Tout sauf le piment. T'es mal, le piment, si je mange ça. Mettez mon bandage et vous allez tirer chacun votre tour. Vas-y. Un objet. C'est parti. Allez, faites-moi tourner. Vas-y, tourne. Vas-y, c'est bon. Là maintenant, là t'as la table où t'as choisi tous tes ingrédients. Le premier que je touche, c'est ce que je prends. C'est ça. Exactement. Ok. Attention. J'ai pas touché ça. Il a vraiment touché ça. Au moins ça va réveiller, les gars. Là au moins on est sûr, au moins tu seras réveillé. T'as pris la pire chose à taper. C'est la détresse, les gars, chez la team Twan Lag. Ils sont cuits. Un piment, une Bilal qui est sorti, les gars. On a la victoire, c'est sûr. En vrai, ça va juste piquer, mais avec ça, je vais encore plus gagner. Ziné, je vais te dire, t'écoutes comme un roi. T'es parti, on fait tourner. Vas-y, Ziné, t'écoutes comme un roi. À gauche, on va vers la gauche. T'as pas le droit de l'aider, t'as pas le droit. Mais pourquoi tu l'aides? Vas-y, c'est bon. Là, t'es devant, t'es ton objet. Là, elle est où la table? Elle est en bas de toi. Le premier truc que tu touches. Ça. Mais oh, j'ai touché deux trucs. Ok, tire. C'est quoi? C'est une boisson? Oh, du jus! Du jus d'orange! 100% pressé! C'est moi, je l'avais choisi en plus! Moi, je me suis déjà fait un jus d'orange tout à l'heure! 100% nature, ça c'est du faux jus d'orange! Il est 3h du matin, j'ai rien mangé et j'ai juste ce piment et j'hésite à le manger parce qu'en vrai ça arrache! En un croc, on n'en parle plus! Wouah, ça arrache! Là, je suis totalement réveillé, les gars! Ah, je suis bien! La team toi de la gros, on va le faire! À moi du jus. Une gorgée, chacun fait tourner. Maman, réveille-toi, faut pas que toi de la guille sache. Oh les gars, moi je suis resté pendant une heure avec Bilal, c'était insupportable. Mais j'ai résisté alors que toi t'étais bien. Vas-y, allez, lève-toi, Maman. Ah frère, tu sais, j'ai pris quoi? Une Monster sans sucre. C'est comme si j'avais rien pris. Lève-toi, Maman, lève-toi. Envoie du jus. Ça fait du bien, va tenir. Une gorgée, chacun, t'inquiète, ça. Une gorgée. Réveille-toi. Deux secondes, laisse-moi. Réveille-toi là, y'a pas de. Vas-y, allez, réveille. Allez, Maman. Attends. Oh, réveille-toi. Attends, bon. Frère. Toi, là, il sait pas, mais on est vraiment en crise. Hein. Oh, lui, c'est une pile électrique, je sais pas comment il fait. Maman, tu me réveilles dès que c'est carré. Oh, réveille-toi, cousin. Pourquoi tu dors? Pourquoi tu tapes là? Pourquoi tu dors? Oh, le jus, ouais, le jus. Frère. Le jus, y'a plus de jus. Tu as rien, vas-y, calme. On va faire du jus. Là, les gars, il est actuellement 3h30 et je vais appeler tous les participants parce que c'est l'heure de la deuxième épreuve. Et là, les gars, je vous dis, cette deuxième épreuve, elle est hardcore. Tout le monde, les gars, deuxième épreuve. Descendez, les gars. Vous avez 30 secondes, sinon vous êtes éliminés. 30 secondes. Mini Crypto et mon Wally sont arrivés, donc la team Crypto est présente. Il manque pas de lag. Pas de lag, les gars. Attends, les gars, on va aller chercher. Mais quoi ce fou, les gars? Mais c'est quoi ce fou? Tu fais quoi, frérot? Aïe. Tu fais quoi? T'as de la glace et tout sur la tête? Gros, c'est ma technique. Pour rester réveillé, je me suis mis dans le congélateur. Je t'explique là, je t'ai appelé, ça fait 6 fois. C'est le moment du challenge numéro 2. Et là, actuellement, 3h30 du matin. Il va y avoir à manger. Tu vas voir ce qu'il va y avoir. Il y aura un bonus comme d'habitude et un malus pour ceux qui perdent. Suis-moi, frérot. Allez, c'est parti. Let's go. Là, les gars, vous êtes vous trois réunis. Toi de lag, de la team Toi de lag, Mine Crypto, Momo Ali, les gars. 2 contre 1. Et là, les gars, pour le prochain challenge, il va y avoir 2 personnes qui vont perdre et une personne qui va gagner. C'est un cache-cache géant. Oh dans toute la ville, les gars. Celui-là qui se fait trouver en dernier, les gars, en dernier. Il va gagner une boisson énergisante dans la pile de boissons, yes, sur la table. Oh, je m'appelle pas toi, Lag, si je gagne pas. On a 2 chances, il est tout seul, on va gagner. Et en plus de ça, les gars, ce que je vais oublier de dire, c'est que les 2 qui vont se retrouver en premier, ils auront un gage encore plus extrême. Ça va vraiment être chaud. Et ça commence tout de suite, 59. Oh, 59, allez, c'est 57, parti, 57, 55, 54, 51. Aide-moi. Wesh, oh la pompe de loup. Why? 48, 47, 46, 45, 44. Attends, on va du coup, wesh. Attends. C'est bon, ça marche. Attends, c'est là. 39, 38, 37, 36, 35. T'as envie? Oh, les gars, c'est noir, on voit rien. Les gars, je vais dans la salle de cinéma, c'est noir. Oh, je suis en train de ramper, les gars. Je vais me cracher, c'est une bonne crachette. Je vais voir si je peux pas mieux cracher encore. Mais j'espère que je vais être le dernier à trouver. Gars, là, j'ai une idée de fou. Je vais indiquer leur cachette sur le sol. Non, là, mon plan, il est incroyable. C'est incroyable, les gars.
Les gars, vous êtes cachés là? Te cache pas ici, te cache pas ici. Non, t'inquiète, je me cache pas ici, t'inquiète, t'inquiète. Et toi, t'es caché sous le lit. Ouais, mais viens pas sous le lit, viens pas sous le lit. Non, t'inquiète, t'inquiète, je viens pas, t'inquiète. Je te promets, je me cache pas. T'appelles pas Crypto? Non, t'inquiète, je t'appelle pas. Je suis en train de me cacher, t'es caché en haut, toi. Ah ouais, t'es bien caché, hein. Je pense qu'il te trouvera jamais, hein. Bon, allez, les gars, je vous laisse, moi, je vais me cacher. Bon, les gars, c'est parfait, mon plan s'est déroulé à merveille. Regardez-moi ça. Ah, si, avec ça, je gagne pas le cache-cache. Attends, y'a plus qu'à trouver une cachette. Bien loin d'eux. Qu'est-ce qu'on a comme cachette dans la douche, en vrai, non? Y'a forcément une bonne cachette, les gars. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti, les gars, on va fouiller. Let's go, on va voir qui est caché où. J'espère qu'il va pas sauter sur le lit. Purée. Oh les gars, je suis dans une position. Qu'est-ce que j'ai mal à la nuque, cousin. Il y en a un, les gars. Je sais pas ce qu'il a fait, mais il a fait comme le petit poussé, les gars. Il a posé que des trucs par terre. Ça fait un chemin. Le chemin, les gars, il vise ça. Pourtant, il y a personne. Il y a personne dans le lit. Il y a personne. Et là, il y a le deuxième chemin. Il vise ça. Ça fait comme des chemins, les gars. Soit il y en a un, il a fait tomber ça sur la route. Et je sais pas ce qu'il foutait. Soit il y en a un, il a voulu balancer les deux autres où ils sont cachés. Et du coup, les amis, mais je vois pas pourquoi ça va jusqu'au lit. Mais en bas du lit, c'est bloqué. Il y a rien, frère. En bas du lit, il y a juste un tiroir. Bon, pour moi, c'est pas ça. Il se trompait, le mec. On va fouiller partout, les gars. Imaginez, il y en a un qui s'est caché dans le frigo. Il y a rien. Il y a rien. Wesh, c'était la meilleure cachette. Imaginez, il y en a un qui s'est caché ici. C'était la meilleure cachette. Oh les gars, j'ai la meilleure cachette en plus. J'ai vu une lumière les gars. Dans cette armoire, j'ai vu une lumière. T'es le... Oh, je suis pas le premier. Ma porte, t'es le premier. Mais quoi? T'es le premier. Pourquoi t'as pas suivi le chemin? Quel chemin? Mais je t'avais fait un chemin. Des trucs par terre là? Ouais. En soi, c'est pas un peu de la triche que t'as fait là? En fait, moi je suis arrivé là. Il y a un lit, mais c'est bloqué. Et ça se lève. C'est bloqué, frère. Et t'es même pas allé en haut. Là, il y a une cachette là, il y a une cachette là-haut. T'es une pouca, t'as cramé leur cachette. Ouais. Déjà, t'es trouvé. Que t'as essayé de tricher, que t'as essayé de cramer leur cachette, parce que là, ça dit qu'il est là en fait. Ouais. Ah ouais, il était bien là. Purée. Il t'a cramé. Oh la balance. Oh la balance. Toi déjà, je te jette terme. La tricherie, elle est interdite. Non, mais tous les coups sont permis. Ça, c'est pas de la triche. Toi, tu vas morfler, tu vas prendre un gros challenge. Ouais, j'avais la meilleure cachette, j'avais la meilleure cachette. Lui là, il a mis plein de sachets par terre. Et je l'ai trouvé en premier, c'est ça le pire des choses. Il a cramé votre cachette à toi et à mon moi. Mais vraiment, t'es vraiment un rat. C'est de la tricherie. Non, je suis désolé les gars, je suis plus intelligent. Toi déjà, t'as perdu ce challenge. Et vous deux, vous avez 30 secondes pour vous cacher. 29, 28, 27, 26. 25. Attends, 21. Viens, on fait un truc. Je peux chercher avec toi ou quoi? Tu veux chercher avec moi? Ouais. Vas-y, y'a pas de soucis. 22. T'es qu'est-ce que je me suis cassé le cousin? 10. Je suis cuit. 9. Je suis passé par la fenêtre, les gars. Mais non, on va chercher. Ok. Go. Alors. Dis, on regrette quelque chose? S'ils sont cachés au même endroit et s'ils ont voulu forcer en allant à la même cachette. Est-ce qu'ils seraient retournés dans la même cachette? Non, le lit, y'a personne. Attends, regarde bien derrière la porte. Ouais. Non, c'est bon, y'a personne. Oh, toi t'es cramé. Oh, il m'a fait peur. Mais pour de vrai. Là, le grand gagnant de cette manche, c'est mon Ali. Et vous savez où est-ce qu'il est ou pas? Non. On va chercher. Hein. Parce que toi, t'as perdu. Ton âge a perdu. Il est pas retourné là-haut? Il est en haut ou pas? Il est en haut? Non, il y a personne là-haut. Ok, il est pas en haut les gars. C'est pas mal. Wesh, il s'est caché où? Attends, la fenêtre est ouverte. Il y a quoi? Wesh. Il est là. Wesh, il va trouver. Rends-toi il est. Purée. Dis-moi tu l'as trouvé avant. C'est le grand gagnant de ce troisième challenge. Les gars, champion du cache-cache, personne ne me bat ce jeu. Les gars, c'est simple, je vais prendre une canette. Tout à l'heure, je l'ai pris avec zéro sucre, je me suis fait arnaquer. Oh, j'avais pas vu regarder écrit quoi. Vitamine B3, B5, B6, B12. Je prends celle-là, les gars. Donc là, tu penses que tu vas gagner grâce à ça? Les gars, il a fait le mauvais choix, ils ont perdu. Là, je peux pas la donner. Je la donne à Ziné. Non, je peux pas la donner. Là, c'est fini. C'est toi qui as gagné. Donc là, maintenant, je dois assumer tout. C'est pas bon, c'est pas bon, frère. Et moi, si tu la veux pas, je la prends. Hein. C'est pour rester sans sommeil, frérot. C'est pour rester bien éveillé. Et là, t'as gagné le challenge. Pour leur gage, les gars, Mini Crypto et Twan Lag ne le savent pas, mais j'ai acheté 5 kilos de bananes, les gars. C'est l'élément qui fait le plus dormir après les somnifères. Vous allez devoir manger le plus de bananes possible. Ah, c'est bon. Il y a 5 kilos, les gars. Et celui qui mange le moins de bananes, on comptera bien comme il faut, les gars. Il n'aura plus le droit d'utiliser son téléphone de toute la nuit. Oh là là. C'est l'élément qui fait passer le temps, qui fait passer la durée de la nuit. Plus de téléphone, il va s'ennuyer et il va s'endormir. On t'a jamais dit comment on m'appelait? Moi, Val le singe. Comment le singe? Dans tous les cas, soit il mange maintenant, soit il s'endormira après les gars, c'est parti. Ok, là il attaque une petite banane les gars. Pour le moment, il est bien. Là, toi, je vois que j'étais plus lent. Et on va mettre un compteur de banane pour voir qui s'est rien à manger le plus. J'attaque la deuxième les gars. Mais ouais, c'est quoi ces bananes? Elles sont plus petites, Etienne. Ouais, mais je prends Etienne. Vraiment triste. Mais c'est toi, tu prends une petite banane. Ouais, c'est quoi ça? Regardez-moi, attaque des bananes. Ah, laisse ma banane tranquille. Les gars, je sais pas si vous en rendez compte, mais manger un kilo de banane, c'est plus fort que manger des somnifères. Tu la vois celle-là?
Il a mangé un hein, coup, c'est quoi ce mec? Mais c'est quoi ce mec, les gars? Et toi, t'as combien? Deux aussi, là, c'est la deuxième. Ok, on va laisser faire, les gars. Dans 5 minutes, je reviens et on va voir qui c'est qui a mangé plus de bananes. Là, les gars, ils sont les deux à bout que sur ton live. Troisième, et toi, t'as combien? Deuxième. Il a perdu, c'est bon, j'ai gagné. Donne-moi ton téléphone. On va prendre ton téléphone, il n'y a plus de téléphone de la soirée. J'enchaîne la quatrième. Il est où ton téléphone? T'as perdu. Il a craché. Non, il ment. Ça, c'est impossible, ça. Donne-moi ton téléphone. Donne-moi ton téléphone, il n'y a pas de négocier. Maintenant, il va bien s'ennuyer parce qu'il n'aura plus de téléphone jusqu'à la fin de la vidéo, c'est-à-dire dès que le soleil sera levé. Donc là, confisqué. Bien joué, c'est j'ai plus rien à faire là. Moi, je vais partir, mais je reviens dans une heure ou quoi. Je vous laisse faire ce que vous voulez. Oh, s'il te plaît, il n'y a pas une petite sieste. Il n'y a pas de petite sieste. Une heure. Je fais une sieste, t'es éliminé, il restera que mon moi. Bon, les gars, je commence vraiment à fatiguer. Donc là, je vais faire une technique que j'ai vue sur TikTok pour faire monter le sang au cerveau. Ça va bien me réveiller. Regardez. Deux. Et avec ça, on ferait de la musculation. Je crois que je me suis plus endormi qu'autre chose là. Tout à l'heure les gars, je me suis caché là et c'est de la frappe, y'a personne qui est venu me trouver, y'a personne qui cherche ici. Je crois les gars que c'est le seul endroit de la maison, y'a pas de caméra. J'ai vérifié encore mais je pense pas. Je tiens plus les gars. Je sais pas pourquoi mes yeux ils se ferment tout seuls. C'est sûr que je vais m'endormir là, il me reste peu de temps. Crypto les gars, il m'a cherché en plein cache-cache, il m'a pas trouvé. C'est la planque les gars, c'est la meilleure planque pour gagner. Parce que là je sens que les gars, je m'affaiblis. Le seul moyen de gagner cette vidéo, faut que je tape une sieste de 30 minutes au moins. Parce que les gars, je vais pas tenir. Ils ont plus d'énergie que moi les gars. Donc faut que je fasse ma sieste. J'espère juste qu'il n'y a pas de challenge entre temps. J'ai tapé ma sieste les gars. J'espère juste qu'il n'y a pas de challenge et y a pas de caméra. Les gars, j'ai mis un minuteur, je vais m'endormir. Les gars, je suis éteint. Je sais même plus à parler, les gars. Là, les gars, je suis en train de regarder les caméras de surveillance et tous ils deviennent fous. Je crois que le manque de sommeil, ça leur monte au cerveau, les gars. Il y en a, ils tapent des casseroles. Oubliez, mini crypto, les gars. Les seules places que j'ai pas équipées avec des caméras, c'est uniquement les toilettes. Et les toilettes, ils sont juste ici. Y'a personne aux toilettes. Y'a personne, les gars. C'est les seules pistes que j'ai pas mis de caméra. Ça fait environ 20-15 minutes que je vois plus le mini crypto. Vous l'avez vu ou pas? Non. Mais pas vu? Tout à l'heure on parle, on rigole. Toi t'as deux doigts à t'endormir toi. Fais attention, tes yeux sont bien rouges. Hein. Regarde tes yeux. Oh, regarde tes yeux frère. Wesh. Et toi tu vas dormir. Allez. Depuis tout à l'heure je charbonne au monster. Regardez mes yeux comment ils sont rouges. Je l'ai pas dit mais je suis éteint. Il me reste une canette. Je vais tenir. Moi les gars, la question c'est quoi? Oublie les mini crypto. Venez moi chercher les gars, venez moi chercher. Il est où là? Il était caché tout à l'heure ici, il était caché. Souris, il y a des crypto. Souris, il y a rien. Ah les gars, ça sent bon. Moi je pense qu'il s'est endormi hein. Les caméras, elles filment de partout. Sauf dans deux endroits. Les toilettes, numéro 1. Bah il est aux toilettes. Et oui, mais c'est sûr. J'ai déjà fouillé, y'a pas. Mais il est où alors? Et un deuxième endroit, une salle privée les gars, où le propriétaire de la maison, il m'a dit tu peux y aller, mais pour le moment j'y suis jamais encore allé. Mais c'est où? C'est là-haut? Mais si, mais j'y suis allé frère. C'est tout noir là-haut. Y'a quoi? Mais c'est un mini cinéma, c'est tout noir. C'est parti les gars, on va fouiller cette salle. T'entends les ronflements? Ça ronfle? Ouais. Les gars, j'espère qu'il dort pas. J'espère il dort pas. Vas-y, réveille-toi, Ziné. Jurez les gars, je crois il dort. Oh, il s'est endormi les gars. Et les gars, qu'est-ce qui fait plus de bruit qu'un pan de bronzouche qui explose les gars? Oh, attends, laisse-moi le faire. Là les gars, il va le réveiller. Il est endormi. Oh là là, fais ce dégage, je vais être éliminé. La team crypto, dehors. Là les gars, ce qui se passe, c'est qu'il reste vraiment que ton lag et Momo Ali. On va ressortir de cette pièce de cinéma. Tu veux rester dormir ici? Les gars, tellement il est KO, il va rester dans la pièce de cinéma. Non, on ressort les gars, et on va continuer la vidéo. Là les gars, le soleil vient de se lever, il est 7h25 et on doit directement passer au challenge suivant. Il n'y a plus que deux adversaires, la finale, Team Twan Lag contre Team Crypto avec Momo Ali. J'ai une cage de foot, un ballon de foot. C'est un des derniers challenges de cette vidéo. Bon, là, t'es comment? Tu vois, t'es là, t'es KO. Ouais, j'ai envie de dormir, je me suis mis là. Ça, si jamais je m'endors, bam. Tu veux t'appeler pas directement dedans? Et voilà, impossible, je m'endors. On va faire la finale contre Momo Ali. Et viens, on va chercher Momo Ali tout de suite. Déjà, là, je dois me battre pour garder les yeux ouverts. Comment tu veux que je fasse du foot? T'inquiète pas, frérot, t'es obligé d'affronter. Sinon, tu peux abandonner tout de suite. Ouais, Momo Ali. Faut voir s'il dort pas, parce que s'il dort, ouais, il est éliminé cash. Mais moi, les gars, je suis KO, les gars, je suis KO. Dites-vous, j'ai fait des petites siestes, etc. Et j'ai fait des relais avec le caméraman. Wow. C'est plus une dégaine là. Et t'as quoi comme canette là? C'est la canette tout à l'heure? C'est la canette d'hier les gars. De Tiger les gars. Vas-y, gars, go, vas-y. Il m'en reste encore les gars, ça m'a tenu toute la nuit. Ça tenu... Et là t'as réussi à ne pas dormir dans la nuit? Les gars, vous êtes prêts? C'est le dernier challenge là. C'est le dernier challenge, c'est la finale. Bon, allez les gars, sur tes yeux, ils sont presque gars, fermés. J'ai qu'un œil sur deux qui marque. Joker. Ta parole, Joker. C'est quoi ton Joker? Le T-Max les gars. Comme Mbappé, je vais en prendre un. Il y a un ballon de foot les gars. Joker.
Pendant que tu prends ça, je vais directement dire les règles du jeu. C'est un 1v1 de football, les gars. On a mis une cage juste ici et une cage là-bas. Et là, Momo Ali va devoir affronter Twan Lag dans un 1v1 de football avec ce ballon. Celui-là, qui arrive à marquer le premier but, aura un petit déjeuner parce que, les gars, il faut savoir que depuis les pizzas, vous n'avez presque rien mangé. Donc, aura un petit déjeuner et ce petit déjeuner sera entièrement fait par le perdant. Lui, il a pris sa vitamine. Moi, les gars, je vais prendre le piment. Il est chaud, les gars. Là, je vois qu'il devient vraiment rouge. Il devient vraiment rouge. Les gars, je vais l'éteindre. Je vais le terminer. Tu vas l'éteindre ? Et ça commence maintenant. Wesh ! Ça part en bagarre, les gars. Ouais. On se marre. Les gars, c'est un but de Twan Lag totalement validé pour lui, les gars. 1-0. Non, 1-0, les gars, et je peux vous dire quelque chose. Momo Ali va devoir faire un petit déjeuner à Twan Lag gratuitement, comme un petit serviteur, les gars. Les gars, c'est le jeu, j'ai perdu, je vais faire son petit déj. Les gars, petit Nesquik, très important. En tant qu'arbitre, les gars, je vérifie bien si Momo ne mange pas celui de petit déjeuner, parce que s'il mange, c'est interdit, en sachant qu'il a perdu le match. Fais gaffe juste de pas manger des céréales, parce que c'est totalement interdit, t'as perdu. Un petit peu de lait avec les céréales. Bien évidemment, pas le droit de boire le lait, t'as perdu. On t'a dit non. Là, je commence à péter un calme, gars, je suis arbitre. J'ai juste envie d'une chose, dormir. Donc là, fais le petit déjeuner et calme-toi. Et sois serviteur, t'as perdu. Bah, y'a du café, les gars. Ah, les gars, je vais faire un bon petit déjeuner. Mais attends, mais tu me surveilles. On l'entend plus, hein. À tout moment, il dort. Hein. Va vérifier. De base, il criait, il disait, fais-moi mon petit déjeuner. Va vérifier s'il dort. Crypto est parti voir si Twan Lag dort, les gars. J'avais acheté ça hier, les gars. Je vais le mettre dans la spéciale. Il va s'endormir vite fait, bien fait. C'est une petite pochette et écrit sommeil dessus. Il va bien dormir. C'est bon, les gars, je pense que ma potion est prête. Mais toi, c'est une dinguerie, frère. Que des dingueries, je dinguerie. Tu comprends pourquoi il dort pas, les gars? C'est 8h25 du matin, frérot. Oh, mec, c'est une technique de fou pour pas dormir. Tu mets la tête à l'envers, tu dors pas. Mais là, t'as bien réussi, là. Mais là, est-ce que t'es en forme ou pas? Parce que je vois ton visage, il commence. Là, ça fait une heure, j'attends mon petit déjeuner, là. Mais dis-lui que t'accélères. Oh, accélère! Il a pas dormi, j'ai vérifié, il a pas dormi. J'ai mis toute mon âme dedans. Twan Lag, le thème que je t'ai fait, c'est chocolat. Ça, tu laisses un peu reposer. Le chocolat, il va s'imbiber dans le nez. Mais ça, tu le tapes direct. Petit café, ça va bien te réveiller. Ah ouais? Ça te met bien. Ah ça. Oh, ça sent bon. Ça sent bon le café, hein. Oh là là, ça sent me réveiller. Ça sent bon le café, hein. Bois tout. D'un coup. Encore. Nickel ça. Oh, franchement là je suis bien. Oh comment c'était bon ça. Le gars j'ai respecté. Ouais. Bah ça va tranquillement. Alors moi j'ai un truc à te proposer. Moi je compte aller jouer à mon téléphone et tout. Mais tu n'as plus de téléphone. C'est ça le problème. Ouais. Tu me donnes ça et je te donne mon téléphone comme ça tu peux jouer avec. J'ai le droit. Franchement t'as le droit. Marché conclu. Vas-y, envoie le téléphone. Voilà. Là j'ai ton téléphone, je vais regarder des petites vidéos sur YouTube. D'ailleurs j'espère que vous vous êtes abonnés parce que cette vidéo est incroyable. Et je vous le dis, je vais gagner. Les gars, ça c'est Zikroa qui va gagner. Mais la vidéo, c'est vrai qu'elle est incroyable. Moi je vais aller dans le jardin, je me sens bien dans le jardin, prendre un peu d'air frais. Moi j'ai pris son petit déjeuner, lui il a bien pris le café avec l'insomnie que je lui ai mis dedans, avec la tisane, les gars. Sauf que le problème pour lui, c'est qu'il a bu que la tisane. Normalement tu bois la tisane et tu manges un truc, tu mets un peu de temps avant de t'endormir. Là les gars, je pense qu'il va s'endormir direct. Moi j'ai juste à m'asseoir et attendre tranquillement qu'il s'endorme. Les gars, normalement dans 10 minutes il dort. Oh les gars, j'ai plus de téléphone pour me repérer par rapport au temps. J'ai compté les moutons dans ma tête. Là normalement les gars, ça fait au moins 10 minutes. Il a dû s'endormir, c'est sûr. Je vais faire le moins de bruit possible les gars. Même l'arbitre crypto, il s'est endormi les gars. Il a tapé un camp. Les gars, il bouge plus. J'espère qu'il me fait pas comme Bilal, il a fait un signe. Je vais essayer de reprendre mon téléphone. S'il se réveille pas, c'est qu'il dort vraiment. Là les gars, si Momo Ali a raison et que Twan Lag s'est vraiment endormi, ça veut dire que t'es gagnant. J'espère juste qu'il me fait pas une bilette les gars, j'espère qu'il me prank pas. Moi les gars, j'ai ramassé ça parce que je compte le réveiller s'il endormi avec des casseroles. Wesh. Ouais. Ah t'as vu, je t'avais dit, il est en train de dormir. Wesh. Rigole pas. Ouais. Réveille-le. Yes. Yes, il dormait. Il dormait les gars. Mais là, tu
Dormi. Mais non, j'ai juste fermé les yeux. Dormi. Regarde tes cernes. Regarde tes cernes. On a le grand gagnant. On a le grand gagnant. Mon mot à dire, les gars, que j'étais ici, il a gagné contre Twan Lag en finale. Là, je te dis, terme. Il est 8h du matin. Il y a 20 minutes, tu étais encore debout. Tu as passé toute la nuit pour rien du tout, frérot. Ah, je te mens pas. Tu restais une heure de plus. Je m'endormais à ta place. Et moi, je vais avec mon mot à dire, le grand vainqueur. Tu peux dormir, frérot. T'as perdu. Mon mot à dire est le vainqueur de cette vidéo. Et si t'es un vrai abonné, tu dois aller voir la vidéo. On va voir Messi contre Ronaldo en match VIP en cliquant en haut à droite. Alors, clique ici. Tu vas kiffer. Moi, j'ai vu la vidéo, les gars, et elle est incroyable. Alors, clique.